Hey, 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 et bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode des Enfants Parfaits. On a quitté le précédent épisode avec Lilith qui était venue nous rendre visite et puis qu'il y a eu un petit bisou entre John et Lilith. Voilà. Voilà, ça peut être sympathique. Complètement normal, 3h du mat, on a Hugo qui veut passer à la maison. Non, ça ira mon gars, hein? C'est que déjà... Voilà, on a eu une dure journée. On n'a pas que ça à faire. Alors, sinon, j'ai fait le point un peu pour les gamins. Et pour savoir qu'est-ce que je dois leur inculquer, qu'est-ce qui leur manque, tout ça, pour qu'ils soient bien. Donc, ça va demander du taf quand même. Mais c'est faisable. C'est faisable. De toute façon, on a le temps jusqu'à ce temps qu'ils soient ados, voire adultes. Donc, on a le temps. C'est parfait. Ouais, allez, tous en chœur, on se réveille en hurlant. Tous en chœur, on se réveille en hurlant. Alors, chacun doit faire sa merde. Toi, tu as besoin de... Ouais. Eh ben, tu vois, c'est pas hyper important comme... Mais tu vas faire déjà ça. Voilà, toi, tu dois faire pipi. Tu vas y faire pipi, là. Toi, tu dois pipi, douche, ok, et manger. Tu vas faire une douche, tu vas faire un pipi. Et tu vas manger. La discrétion assurée, si vous entendez, c'est mes super voisins, toujours très très discrets dans leur façon de prendre des escaliers. Et après, tu vas manger. Cécile. Ah bah Cécile, tu peux que manger. Voilà, hein? C'est pas mal. Allez, chacun va qu'à ses occupations. Et il n'y a que toi que j'ai pas dit d'aller manger. Tu iras manger aussi après. Et papa, Papa, il a du mal. Paul vient de se réveiller et il a faim, donc il va aller manger. Ah oui, bah alors, dis donc. Paul, tu vas mettre la table. Voilà. Décoration gris. Allez, on s'en fout du moment que tu fais la table, ce sera pas mal. Et bien sûr, ça n'a pas pris en compte ce que j'ai demandé. Allez, hop, moi je m'en fous, je clique au pif. D'accord. Pourquoi tu veux pas? Tu me saoules. Viens là. Il faut débarrasser ça peut-être. Sophistiqué bordure. Moi, je mets au pif, hein. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est buggé ou quoi? Ah, commencez pas à m'enquiquiner dès le matin, vous, hein. Allez, et puis surtout, mets tout le temps que tu veux, hein. Ah ah ah, c'est trop drôle! Ok, il veut pas mettre la table. Bon, ben, va manger. Ah, mais si ça commence là, il y en a un qui m'a pété quelque chose. Qu'est-ce que tu fous, toi, là? Va te laver, dégueulasse. L'ordinateur, c'est que pour ton père. Après, tu vas manger. Toi, tu vas manger. Non, mais franchement, j'imagine le pire. Je suis sûre qu'il y en a un qui a cassé quelque chose. Eh ben voilà, c'est le toilette ici. Et le frigo aussi. Bon, ben, c'est magnifique tout ça. Les cours vont commencer. Papa est toujours pas levé. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Bien sûr, on n'a pas les sous. Donc il devra réparer. Et puis, bah, réparer. Non! J'ai fait remplacer. Et il y a ça aussi qui est cassé. Oh, c'est pas possible. Je vais les tuer, ces gosses. Voilà, hein, 3 minutes d'épisode et c'est pas possible quoi. Ah, j'en peux plus. Ah, il se fait si se poser un câlin. Ah, bah oui, alors, dis donc. Alors, tu vas parler de l'école, tu vas faire ça, je sais pas où c'est que j'ai cliqué. Complimenter. Éliminer la journée. Voilà. Ça montre bien les compétences et facultés sociales, ça c'est sûr. Partage un secret, ouais. Ok. Mur de notification plein. Hop. Complimenter sincèrement. Et tu veux pas manger, toi? Mais mange! Espèce d'idiot, pourquoi il est avec son lit encore? Oh, ça va déconner. Papa! Il travaille depuis la maison. Il a gagné 150, 140 simflouz. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Améliorer sa compétence d'écriture. Mais j'ai pas eu le temps. Prendre une photo dans une salle de sport. Très bien. Papa, ça y est, il est levé. Oh,
punaise. Ça va être Conchita aujourd'hui, papa. En fait, il a vraiment pas le temps de taffer, quoi. Il doit tellement faire de trucs. Les gosses, vous pouvez aller en cours? Non, mais lui, il est archi buggé. Non, il doit passer chez l'école. Eh, va en cours. Toi, t'arrêtes. Et toi, t'arrêtes. Ouais, ils sont morts derrière. MDR. Bon, allez, Papa Conchita. Vous connaissiez Papa Conchita? Bah, le voilà. On n'a pas eu le temps de dire bonjour à ces gosses, quoi. Là, je pense que... Je sais pas, c'est compliqué quand même, hein, ces gosses-là. C'est compliqué. Bon, allez, John, courage. Alors, on est parti pour la science étrange. Le laboratoire. L'expérience d'Aurélie a explosé ce qui a mis le bazar et a fait peur à un autre élève. Nous pensons qu'elle l'a fait exprès. Une punition scolaire est nécessaire. Influence ses manières. Il n'y a rien de grave. Influence contrôle des émotions. Alors. Aurélie, 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 elle a besoin. Ouais, je dis qu'il n'y a rien de grave. Ouais, bon, je sais pas, on verra. Pendant ce temps-là, papa, il va enfin pouvoir petit déjeuner. Oh ouais, c'est un peu dur la vie, je comprends, je compatis avec toi. S'il te plaît. Voilà. On va demander à John d'écrire pour améliorer sa compétence comme c'est demandé. J'espère que ça ira rapidement parce qu'après, il faut aller à la salle de sport et revenir directement. On y est presque, on y est presque, on y est presque. On y est presque, on y est presque. C'est bon! Alors, compétence 3, nickel. Mon petit, tu arrêtes. Et on va directement en salle de sport parce que là, il va être 13h. Non, on y va tout seul. Il va être 13h et il faudrait pas qu'on rate le retour des enfants de l'école. Là, on s'embête pas. Hein. Nous, on est comme ça. On va à la première salle de sport du quartier. Tu vas... Ouais, non, ici c'est très bien. Et tu vas prendre une photo. Juste prendre une photo. Voilà. On va prendre Marcus Flex là qui fait des. Ouais. Ouais, comme ça. Elle est parfaite cette photo. 2, 3, 4. Et on va enlever le flash. Voilà. C'est fait! Performance excellente. Et puis bah on va rentrer tout de suite à la maison. On n'a rien d'autre à faire ici, hein. Et puis on va remettre à jour son statut social et compagnie après. Pour le travail! Alors, nous sommes de retour à la maison. Donc tu vas faire ton réseau social, mettre à jour ton statut. Tu vas mettre à jour ton statut. Ce sera pas mal. Il a faim. Et après, il pourra préparer le manger. Non, on va faire à partir de la cuisinière. Macaroni fromage. Bah, groupe 1, on a du monde à la maison, hein, ce coup-ci. Allez, dis-nous combien de abonnés tu vas avoir. De nouveaux abonnés. 260. C'est pas mal. Et 280. En fait, dès qu'il poste, j'ai l'impression qu'il gagne 20 abonnés. Donc c'est bien. Ah, nous avions aussi le petit tas d'ordures de tout à l'heure. On va mettre à la poubelle. Hop là, 80 simflouz de plus. Et les enfants vont revenir très très rapidement. Limite, à peine il aura fini de faire cuire la cuisine qu'ils vont rentrer, quoi. Il y en a un qui est pas bien.
Fait le minimum. Bien, 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 bien. Oh bah ça va, elles auront faim, donc ils vont rentrer, ils vont tous manger. Comme quoi, le petit déjeuner, en manger un repas rapide, ça nourrit pas ce qu'il faut. Non mais maintenant c'est la gazinière qui va plus. J'en ai marre. J'en ai marre, 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 quoi. Tout a pété dans cette maison, au moins une fois. Lettre d'amour, on attend la suite, on connaît par cœur. Louise décide d'attendre. Oui, parce qu'on sait ce que ça fait. Peut-être qu'ils vont avoir des bonnes notes, nos gosses, là. Ah, bah oui. Moyenne. Lui, non, pas encore, pas encore. Pas encore, mais ça monte. Le bavoir rose. Charlotte est assise à côté de la nouvelle. L'enfant sourit nerveusement pendant qu'elle déjeunait avec ses petites soeurs par erreur, alors que voilà, dans l'endroit où tout le monde peut le voir. L'ignorer. Ah, mais j'ai même pas le temps, c'est le jour de. Bref. Ouais, il y a des nouveaux trucs ou quoi? Mais cette fois, elle n'a jamais entendu parler du mot qu'elle est censée épeler. En parcourant la pièce du regard, brille l'intello de la classe. Non, faire de son mieux. Gros bébé, gain de performance. Ouais, bon. Les notes en rose! C'est parfait. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mignon, mignon, j'ai pas été une bonne journée! Bon papa, tu vas appeler à table aussi. Ça, tout le monde viendra manger. Ah bah ils le font. Bon bah nickel. D'ailleurs, ils viennent tous direct. Énorme. Qui c'est qui appelle? Quoi de neuf docteur? Cécile est malade et a vomi dans le hall devant tous les élèves. Elle est à l'infirmerie. Ben non, elle est rentrée. Faites-lui un bilan de santé complet, n'importe quoi. Assurez-vous qu'on ne l'embête pas. Empathie. Allez. Elle est rentrée, mais elle a vomi. Oh, comment ça, contrôle des émotions, qui? Quoi? Je vous jure, moi, j'ai du mal. J'ai encore du mal à savoir comment il fonctionne. Hein. Toi, t'es tendu du slibard. Ok. Bah, détends-toi. Alors, elle doit contrôler ses émotions, la radio, les instruments et l'empathie. La radio, les instruments et l'empathie. Voilà, allez. Va t'entraîner un petit peu. Oh là là. C'est toi qui pleures? Ah non, c'est le garçon. C'est Paul qui pleure. Bah Paul. Mais va manger, Paul. Et Charlotte. Charlotte, elle a pas trop faim, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Alors, partager des idées. Complimenter sincèrement. Comité d'accueil. Discuter des théories des couleurs. Eh, dépêche-toi, papa. De tout réparer. Faire des économies, parce que là, on est un peu pauvre. Voilà. Cool. Oh la vache! Il fait quoi? Il fait de la contorsion. Il fait de la contorsion! Il y a un bug! Mais tu vois, va aller pisser, gars! Va pisser, va pisser, va pisser. Va pisser, va te laver. C'est pas grave. On s'occupera de toi après. Alors, on va apprendre à qui aujourd'hui? Envie de Sims, réaliser sans envie. Ah bah, c'est super. Je le savais pas. Mais j'ai pas fait exprès, mais c'est cool. On va apprendre. Toi, tu vas aller pisser aussi avant. On a appris à elle, on a appris à lui. C'est à Paul maintenant d'apprendre à dire s'il vous plaît, pardon et compagnie. D'ailleurs, je note. Il doit apprendre à dire pardon. Donc, on va apprendre à lui dire. Pardon. Ouais. C'est toute une science, hein, ce pack d'être parent. C'est. Ah, oh, bah. Il joue avec le truc! C'est trop mignon, ça améliore l'empathie. Ah oui, il est déjà bien empathique. Ah ouais. C'est trop mignon. J'ai entendu les grimaces. Mais c'est pas grave. Ils font des choses sympathiques, c'est bien. Alors, on va mettre une petite pause. Pour ceux qui doivent mettre la table, il y a Philippe.
que je n'ai pas réussi à faire le matin. Mais va te laver! Et tu vas mettre la table sophistiquée, triangle. Ça, apparemment, ça va marcher. C'est parfait. Moi, j'enlève la dernière assiette. Voilà, ça, je range. Cécile, t'as l'air de t'ennuyer? Cécile, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois mettre la table, apprendre s'il vous plaît merci, faire du bénévolat ou jouer avec le kit médecin et dire pardon. Donc ça, bah, pour l'instant, tu vas faire ça. Puisque je n'ai rien d'autre pour dans l'immédiat, je ne peux rien te faire faire. Charlotte a l'air de s'ennuyer également. Tu vas aller aux toilettes et tu vas manger. Déjà, ça va te faire ça. Charlotte, elle doit mettre la table, s'il vous plaît merci, le radio et l'instrument et le bénévolat de kit médecin. Bon, bah en attendant, on va déjà faire ça. Ce sera déjà pas mal. Et le kit médecin, je pense que je vais en racheter un ou deux parce que comme ça tout le monde sera content. Est-ce que toi ça te plaît d'apprendre les bonnes manières? Bonnes ondes. Ouais. Un jour d'école raté. Ok. Toi, t'as pas l'air en forme. T'es embarrassé. Vision impossible à oublier. D'accord, il y a quelqu'un qui est venu te voir. Bon, je t'ai pas demandé de prendre un bain non plus, mon petit. Hein. T'exagères, hein. Louise, elle va comment? Non, tu vas pas mettre le bazar. Non, je ne pense pas, ma petite. Tu iras surtout aux toilettes après. Mais est-ce que l'instrument, ça lui fait vraiment de l'effet? Je sais pas. C'est contrôle des émotions. Je suis pas sûre que ça monte. Hein. En tout cas, c'est horrible ce son. C'est l'enfer. Ok. Papa, il a fini de faire à. Ok, bah c'est parfait. Alors, ouais, parce que vous savez, moi je note. Hein, c'était à Paul qu'on avait appris. Paul, on lui a appris à dire pardon. Ça, c'est fait. Ensuite, qui c'est qui s'ennuie, qui fait rien? Demandez conseil, d'accord, il va demander conseil. Charlotte. Charlotte aux fraises. Charlotte aux fraises, tu vas t'asseoir. Et Charlotte, on doit lui apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Donc c'est bien. Tu vas pouvoir t'asseoir aussi, papa. Allez, ça va être à la chaîne, hein. Tout, 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 tout. Non, non, et dis donc. Reviens ici, John. Voilà, comme ça, ils apprennent la manière. Lui, il met la table. On va y arriver, on va y arriver. Lui, il doit encore faire ce contrôle des émotions et ses bonnes manières. Écoutez la musique latine. Je sais pas trop pour la radio comment ça fonctionne. Hein. Donc, si vous avez des conseils, vous pouvez me le dire, ça sera super. Lui, il a remonté du coup ses manières, pas encore. Tu peux débarrasser du coup. Ça, je mets à la poubelle. Il veut pas. Si, c'est bon. Ah, il faut le faire une à chaque fois? T'es chiant? Tu sais pas faire tout d'un coup? Et après, tu remettras à la table, décontracté, bleu. Oh, mais c'est mignon, tous ces gosses! Ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Mais Hugo, tu me gonfles! Et sérieux! Papa, il apprend. Qu'est-ce qu'il a? Intimité envahie. Ah mince. Charlotte, est-ce que ça lui plaît? Bah, fou, je sais pas. Ah, elle a ses manières qui montent. Bon, pas trop trop non plus, hein. Apparemment. C'est pas. C'est pas GG, hein. Se renseigner sur l'école. Illuminer à la journée. Exprimer son amour. Et sinon, dans l'éducation. Ouais, voilà, c'est ça. Cet enfant s'ennuie trop actuellement. Mais lol. Franchement, c'est drôle. Je sais pas trop comment gérer le truc, mais c'est mignon. C'est trop mignon. Papa, il fait le tour de tous ses enfants pour les encourager quand ils ont des bonnes notes et tout. Ouais, franchement. Après, apparemment, j'ai toujours pas appris à lui faire dire
S'il vous plaît, merci. Donc c'est un peu relou, mais bon. Hein, on fera ce qu'on peut. Faut apprendre les bonnes manières, les gosses. C'est comme ça. Non, papa, j'ai dit que tu continues à lui apprendre à s'il vous plaît, merci. C'est pas pour aller au lit. Hop. Voilà, comme ça, elle apprend les bonnes manières. Et le prochain épisode, comme ce sera le samedi, eh ben, on pourra aller faire du bénévolat tous ensemble. Louise, ça fait genre, je sais pas combien de temps qu'elle elle est complètement... Va aux toilettes, ma petite, ça va te faire du bien. La pauvre... Mais je suis pas sûre que ça a augmenté quoi que ce soit, hein. Non, ça augmente pas, hein. Les instruments, c'est pas... Je sais pas. Les instruments, la radio ou courir pour se vider l'esprit, je suis pas sûre que ça fonctionne sur quoi que ce soit en fait. Tiens, tu pourras aller manger. Alors, est-ce que Charlotte apprend cette fois-ci? Je sais pas si elle a appris. Est-ce qu'elle a appris de manière... Bof. Contrôle des émotions. Danse un petit peu. Puis après, t'iras dormir. Papa. Papa, il commence à être fatigué, mais 22h. Bon, allez, on va les faire aller dormir. Parce que de toute façon, il va pas pouvoir durer très longtemps, je pense. Voilà, papa est parti dormir. Il nous en reste 3 de debout. Après, toi, Louise, tu pourras aller dormir aussi. Philippe, tu joues. Bah écoute, ouais, c'est cool. Tu te cognes la tronche, mais... contre les émotions. En fait, il suffit juste de jouer. Pour se détendre avec des radios et des instruments. Mais ça n'a rien à voir avec les instruments de musique. C'est quoi ce délire, en fait? Allez, va te coucher. Charlotte, bah, elle y va aussi, c'est parfait. Et il manquera que Louise. On va éteindre ça. La nuit tombe sur la petite maisonnée avec tous ses enfants. Et on pourra passer. Oh, mais je déteste quand ils font la sieste. Dormir, j'ai dit. Non! Ah, c'est pas possible. Dormir, pas la sieste. Dormir, pas la sieste. Est-ce qu'il y a d'autres qui... Non, c'est bon, ils dorment tous ces autres. Et voilà. Bon, je mets ça sur... Mais non, elle se réveille déjà. Mais c'est quoi ce délire? Non, non, il n'y a pas de monstre sous votre lit. Commencez pas. Monstre. Mais non, mais il y a des machins et tout, là. Oh. Mais il y a les veilleuses. Non, hein, zut. Hein. Allez, vous me faites suer. Pour rester poli. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre sous le lit. Vous me faites suer. Les filles, oui. Vous me faites suer. Vous me faites suer. Voilà. Bon, allez. C'est reparti en vitesse 3. Je souffle. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas pour les conseils. Puisque voilà, je ne suis pas encore très très douée pour être parent. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Allez, salut.